pense qu'on a un joli poisson là. Oui. Très joli ça. C'est sympa ça. C'est sympathique. C'est sympathique. Ah oui, c'est bien sympa ça. Ne te croche pas frérot. Ça fait 60 ça au moins. Ah oh, yes. Joli poisson, ça fait pas 60 mais on en est pas loin je pense. Nice. Oh, il m'a mis un bon petit combat là. Waouh. Ah, superbe. Superbe. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Non, il fait pas 60 mais je pense que oui, effectivement, on n'en est pas très loin. Voilà. Bon. Superbe ça. Superbe poisson quand même. Il est vraiment beau. Vraiment magnifique, tout doré. Le dos bien noir, il devait être sur le caillou. On va mesurer ça tout de suite, tout doucement. Allez. Laisse-toi faire, surtout te secoue pas. On a un poisson de, bah, de 56. 56 cm. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Beau poisson. Beau poisson, beau poisson. Vraiment magnifique barre. Ça, ça fait vraiment très plaisir. Allez, une petite photo et la remise à l'eau. Allez. La remise à l'eau. On va pas tarder. Vraiment, c'est un magnifique poisson. Regardez ça les gars, 56 cm. Il a vraiment un bel œil. C'est superbe. Allez, hop. Là, tu vas repartir assez vite. Superbe poisson, superbe animal. Splendide. C'est splendide. Il repart tranquillement dans son élément. Tout en délicatesse, tout en douceur. C'est splendide. Yes. Ça fait plaisir ça. Ah. Je crois avoir touché un poisson. Mais comme s'il avait tapé que la queue. C'est pas très franc. Et la vitesse où je ramenais, ce serait ferré normalement. Oh putain, encore une fois. Je crois que c'est des pins. Ça tape que la queue. On va en faire exactement la même. Et c'est pas possible que ce soit le fond parce que dès que je leur touche l'eau, je boule. Ouais, là c'était bien un poisson. Là, on a la confirmation que c'était un poisson. Peut-être un petit, mais c'était un poisson. Il va falloir que je le recolle. Allez. Je vais bien laisser la colle agir longtemps. Normalement, ça devrait le faire. On va voir si on peut décider les poissons qui avaient touché tout à l'heure. Oh, cassé. Ah, une belle touche cassée sur le ferrage. Oh là 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 là. Ah oui, une belle touche quand j'ai ralenti, ça devait être un joli poisson quand même. Bon. Cassé. Je vois pas trop comment c'est possible. Peut-être je devais être à la limite avec le fond sur les moules et j'ai dû tirer, ça a dû tac, couper sur les moules. Je vois que ça. Je pense. Ah, j'en ai marre. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette session. Voilà, une petite session, courte session. J'aurais fait un poisson et j'aurais eu pas mal de touches. Je casse malheureusement au ferrage sur un poisson. Je sais pas que vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, soit c'était mon EFG qui était mal fait, soit c'était il s'est desserré avec le temps. J'en ai aucune idée. Ou soit j'ai, comme je l'ai dit, j'étais vraiment au ras des moules et j'ai frotté la tresse à frotter sur les moules et à casser. Parce que j'ai cassé clairement sur la tresse. En tout cas, voilà, ça reste un mystère. Mais en tout cas, le point positif de cette session, c'est que j'ai fait un joli poisson de 56 cm. Là, c'est actuellement, c'est mon plus joli de cette saison.
Donc ça fait plaisir, toujours en estuaire. J'ai pas eu l'occasion de pêcher beaucoup cette saison. Et c'est vrai que du coup ça fait plaisir de faire un poisson comme ça, un poisson joli en plus, vraiment de très belle couleur. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que le gros poisson vous aura fait plaisir également. Je vous laisse avec l'outro et puis je vous dis à la prochaine. Et puis bah likez, commentez et puis abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Allez, à plus les amis, ciao. We'll be right back.